Voilà, ici, ouais. Alhamdulillah, voilà. Vous vérifiez le son, si c'est bon. Voilà, vous vérifiez le son, Inch'Allah. Vous me dites si c'est bon et puis on continue. Voilà, parce qu'on n'a qu'une heure du temps à faire et je pense que... Voilà, vérifiez partout si on nous signale que le son est bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. J'avais déjà introduit, mais on va revenir, Inch'Allah. Rabbi shirali sodri, wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Rabbi alamin. En direct demain, pour ceux qui nous suivent, venez, hein, nous sommes à la bibliothèque Koroko, quartier du Labougou. Beaucoup d'hommes sont déjà là, Inch'Allah. La DDA est en main pour expertiser un peu le terrain, parce que nous allons revenir dans les jours, dans les mois qui viennent, pour une grande tournée, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, au cours de l'émission, Inch'Allah, on va donner des informations. Demain, nous serons à Danané, et puis ainsi de suite, voilà, à Diglo, à Bangolo, pour essayer, comme je le disais dans l'introduction, essayer de faire dawa et en même temps sensibiliser la jeunesse autour, n'est-ce pas, de cette période électorale qui est très sensible. Voilà, parce que ce matin, nous étions au rond-point de la paix. Faut le dire, faut l'enfermer. Au rond-point de la paix. Nous étions au rond-point de la paix pour, n'est-ce pas, essayer de sensibiliser les jeunes sur, n'est-ce pas, cette période électorale, de rester calme. Voilà, donc comme je le disais, Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 12, hein, 12 Safar 1445 de l'Égypte, 28 août 2023. On va commencer rapidement. Nous sommes ici dans cette bibliothèque, non seulement présenter la bibliothèque, c'est une bibliothèque islamique, mais il y a des documents de l'interreligieux ici, tel que la Bible et tout ça. Voilà, et avant la fin de cette émission, le responsable de la bibliothèque va se présenter. Il va nous donner un peu la motivation, qu'est-ce qu'il a motivé de créer une bibliothèque ici à Mans, et puis un peu quel est l'objectif et tout ça, pour que les jeunes puissent venir se cultiver, et puis ainsi de suite. Il va aussi donner ses contacts pour que ceux qui sont à Mans puissent venir vraiment se cultiver ici, Inch'Allah. Je suis accompagné d'Ibrahim de la Bagoué. Nous sommes la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Et la Dawa peut se faire un peu partout. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans une salle où on est en train de parler, échanger, une causerie débat avec des frères et sœurs en là et des non-musulmans aussi qui sont là pour nous poser des questions. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Faire Dawa, parce que c'est notre but ça. Faire la Dawa. Pourquoi? Nous faisons la Dawa, montrer les vraies valeurs de notre religion. Et également, dans le domaine que nous exerçons, on peut appeler ça la religion comparée, l'interreligieux. Mais pourquoi comparer les religions? Non, on ne compare pas en tant que tel. Mais nous nous disons, si il y a la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. Donc si j'ai la vérité, mon frère a la vérité, tout le monde se proclame avoir la vérité. Non, 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 c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas avoir la vérité. Il y a forcément quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Et c'est dans cela que, il y a beaucoup d'années de cela, nous, jeunes musulmans, on a constaté que l'islam était trop resté dans les mosquées. L'islam était resté enfermé dans les mosquées. Mais c'est une lumière. Comme Allah l'a dit dans le Coran, notre messager est venu vous tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. Donc, l'islam est une lumière, le Coran est une lumière. Et si les gens n'ont pas accès au message de l'islam, s'ils n'ont pas accès à la lecture du Coran, ils diront non, mais moi je ne suis pas musulman, donc je ne peux pas aller à la mosquée. Moi je ne suis pas musulman, je ne peux pas aller en arabe. Moi je ne suis pas musulman, je ne peux pas faire ceci, cela. Donc nous disons, la dawa de l'interreligieux que nous faisons, ça vous donne l'accès non seulement d'avoir le Coran en français, de le lire, ça vous donne encore l'accès au message de l'islam qui était, n'est-ce pas, dans les mosquées. Nos parents, nos imams, ils font la dawa dans les mosquées. Nous avons déporté la dawa des mosquées dans les rues, pour que ça puisse être accessible à celui qui est de passage, qui s'arrête et il écoute le message de l'islam. Comme le prophète sallam l'a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. On est d'accord? Donc si nous transmettons ne serait-ce qu'un seul message, et Allah a dit dans le Coran, quiconque viendra avec un bien, surat 6 verset 160, quiconque viendra avec un bien aura 10 fois autant. Mais celui qui vient avec un mal, il ne sera rétribué que par son équivalent. Donc si nous faisons la dawa, nous transmettons ne serait-ce qu'un seul message, imagine la récompense que nous aurons.
Et les frères d'à côté, les non-musulmans, ont l'habitude de venir vous évangéliser. Ils viennent chez vous à la maison. Ils ont le courage. Ils vont vous accoster dans les rues. Frère, je peux te parler de l'évangile. Frère, je peux te parler de Jésus. Frère, je peux te parler du salut. Frère, je peux te parler du paradis. Mais la plupart des frères musulmans nous appellent matin, midi, soir. Vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux. On fait les interventions rapides. Allô, Oustaz. Bon, il y a des gars qui sont venus chez moi, ils viennent m'évangéliser. Pardon, il faut intervenir. Oui, mais le jour que je serai dans la tombe là, je vais intervenir comment? Il va falloir te défendre toi-même. Mais tu vas te défendre comment? Tu apprends. Maintenant, dans quelle occasion tu peux apprendre? Voilà ce que nous faisons. On donne l'occasion à chacun d'apprendre, de prendre note, de pouvoir apprendre. Nous, on a appris à travers d'autres personnes, tels que le docteur Abdelmajid, tel que Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, Zakir Naïk est encore là, Ahmed, comment il s'appelle, Youssouf Estes est là, Khalid Hassine est là, ils sont nombreux. On a appris à travers eux, ne serait-ce qu'en regardant les vidéos, ne serait-ce qu'en regardant les vidéos. Parce que quand tu veux quelque chose, la voilà, tu peux. Surtout, Allah dit dans le Coran, quant à cette lutte pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers et Allah est en vérité avec les bienfaisants. C'est-à-dire quand tu luttes pour la cause d'Allah, Allah te donne l'argument qu'il faut. Il te donne la connaissance qu'il faut. Souvent, on est au figaro. Il y a des personnes qui rentrent, ils veulent poser des questions. Aka et moi, on est arrêté là. Et ça qui n'a pas la réponse, il sait que je n'ai pas la réponse de la question que je me suis posée. Mais on ne sait pas dans quelle magie Allah te donne la réponse de la question. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce qu'il sait que tu es dévoué pour ce travail. Si quelqu'un travaille ici dans cette bibliothèque-là, mais c'est le directeur de la bibliothèque qui lui donne les moyens de bien faire son travail. L'ordinateur se plante, il faut qu'il change. S'il y a des virus, il faut qu'il installe des antivirus. S'il a l'électricité, machin. Donc, il a toutes les conditions pour pouvoir faire son travail. Mais Allah, dans lequel, pour lequel nous faisons le boulot, il ne va pas nous donner l'outil. L'outil de travail, c'est quoi? La connaissance qu'Allah nous donne. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici à Man, Inch'Allah, à la bibliothèque Koroko, pour transmettre ce message-là. Comme je l'ai dit, dans les jours à venir, nous serons à Man. Pour la première fois, la DDR viendra à Man pour une tournée. Et je l'ai dit aussi lors de mon introduction, on est invité au Bénin. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec celui qui veut nous inviter à Madagascar. Il est déjà prêt, il n'attend que nous. Après l'émission, Inch'Allah, on va coordonner ça. Donc, c'est la grâce d'Allah. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de musulmans à Madagascar. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de savants musulmans au Bénin. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de savants musulmans au Togo et également un peu partout dans le monde. Mais dans le domaine que nous exerçons, c'est dans ce cadre-là qu'il nous invite à aller contact nos corps à corps avec les jeunes. Ce matin, comme je l'ai dit, je vais terminer sur ça, nous étions à la place publique, à la place de la paix des mains. Pendant que les gens sont en train de faire la campagne, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, la salle est presque pleine de jeunes. C'est vrai que ceux qui ont fait la campagne ont fini. Ils sont venus peut-être s'asseoir pour écouter maintenant la parole d'Allah. Mais c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est que la politique aux politiciens, la religion aux religieux. Et si tous les religieux interpellaient les jeunes, la jeunesse, du danger qu'on peut avoir lors des périodes électorales, et puis avertir ou encore attirer l'attention de nos frères musulmans et non musulmans, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer, quoi. Et c'est notre devoir de tous les jours. Donc vous allez essayer de vous enregistrer et vous allez poser des questions et puis on va essayer de donner des réponses sur ce que nous sommes en train d'échanger ce soir. C'est une causerie débat. Toutes les questions sont les bienvenues. S'il y a des questions dont on n'a pas la réponse, on va vous dire vraiment on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas censé tout savoir. Celui qui sait tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ricochet, on a installé près de 5 bases depuis Abidjan, venir ici, parce qu'on est en train de structurer la DDR, parce qu'on a nos papiers, nos documents et tout, et que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, ici, en Guinée, un peu partout. Donc, comme on est en train de structurer, nous aussi, on devient modèle à suivre, on devient un exemple pour la jeunesse, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais donner la parole à mon frère Ibrahim de la Bagoué. Il va introduire, il va faire son développement, et puis vous allez poser la question, et puis on va essayer de répondre, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances, créateur du temps qui exalte le temps et l'espace. Allah qui est la cause de toutes choses, la première cause qui cause les causes sans être causé, l'incausé. Après avoir glorifié, loué et magnifié Allah dans sa suprématie, dans sa grandeur, Allah qui est le superlatif au-dessus de toutes choses, nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et tous ceux qui le suivent et qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Après cela, je vous transmets la salutation des habitants du paradis, cette salutation qui incarne la paix, la tolérance, la miséricorde, celle qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle qui n'est rien d'autre que assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, nous louons Allah qui par sa grâce a permis que nous soyons à Mans et ensuite aujourd'hui à la bibliothèque donc Koroko pour cet échange avec les frères musulmans et même les non-musulmans qui nous suivent donc actuellement sur les réseaux sociaux. Le frère a fini de tout dire, hein. Nous sommes ici, c'est pour Allah et par Allah. Et les échanges que nous allons faire avec vous ce soir, c'est cette séance de questions-réponses. Nous ne venons pas par cet échange-là, dit que vous aviez des questions ici qui n'ont pas pu peut-être être répondues par les savants de Mans. Non. Chacun a un domaine en matière de religion. Nos parents sont là, nos imams sont là. Ils ont les réponses à toutes vos questions. La plupart de nous sommes dans une bibliothèque. Quelle question tu poseras qui n'est pas ici, dont la réponse ne sera pas dans cette bibliothèque? Ne serait-ce que le seul Coran qui est ici. Dans la sourate 459, Allah est clair. Oh, vous qui croyez. Il dit, en cas de divergence, référez-vous à Allah et à son messager. D'abord, il vous dit, croyez en Allah et à son messager, ainsi qu'à ceux à qui Allah a donné l'autorité parmi vous. Et ensuite, si vous êtes donc en confrontation, en divergence sur un sujet, référez-vous à Allah et à son messager. Farudu ilallah wa rasoul. Donc, nous pensons qu'il y a des savants ici. Mais nous sommes ici dans le cadre de l'interreligieux. Bien. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Islamiquement, comme dans le cadre de l'interreligieux, nous sommes prêts à participer, Inch'Allah, et Iznillah. Les questions que nous ne pourrons pas répondre, l'humilité précède la gloire, nos imams sont là, ils nous aideront donc à vous apporter les éléments de réponse. Bien, donc je pense qu'on va commencer directement. Inch'Allah. On n'a pas assez de temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, Inch'Allah. Merci. Ok, Bismillah. Alors, allons-y. Je voulais savoir, le frère pose la question de savoir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, qui est le sauveur de l'humanité? C'est une question qui revient régulièrement et c'est normal parce que nous sommes ici, nous voulons être sauvés pour être, n'est-ce pas, dans le paradis, dans le jannat ou le firdaus. Maintenant, qui est le sauveur de l'humanité? Je pense qu'Ibrahim va répondre à cette question et puis on va passer, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, une fois de plus encore. C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que généralement, je vois les gens développer ce thème-là, musulmans, chrétiens même d'ailleurs, mais tous deux font erreur. D'abord même au niveau de la planification ou je dirais même de la conception même du thème. C'est un faux thème quand on dit entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité? Ni Jésus ni Mohammed ne sont sauveurs de qui que ce soit. Celui qui est sauveur par essence et par excellence, c'est Allah seul. Donc, on devait plutôt formuler en disant par qui de Jésus et de Mohammed Allah sauve l'humanité. Non, pas clair. Bien. Donc, et nous allons prouver ce que nous venons d'avancer. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très cohérent dans mes propos et très méticuleux aussi dans l'enseignement. C'est pourquoi on m'a surnommé le laboratoire. Donc, quand j'avance quelque chose, j'apporte les preuves. Et c'est ce qu'Allah même nous demande. Voilà. Donc, ici, on va interroger la Bible elle-même. Parce que nous devons savoir que dans le Coran, Allah dit que les gens du livre ont falsifié une partie du livre qui leur a été révélé. Allah n'a pas dit qu'ils ont falsifié tout. Il y a certes beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de falsifications, mais tout n'est pas faux. Et nous allons rentrer donc dans la Bible pour voir qui est le sauveur par essence et par excellence. Si c'est Dieu, si c'est Jésus, nous allons voir et revenir dans le Coran pour voir si c'est Allah qui sauve ou c'est Mohammed qui sauve. Et après ça, on va rentrer donc dans ta réponse. Je prends par exemple Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 21 à 23. L'Éternel déclare,
Il dit, déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Clair. Donc l'Éternel est clair, en dehors de lui, point de sauveur. Et donc, quand nous nous référons au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate 39, à partir du verset 60 à 61. Tu peux me lire le verset? Inch'Allah. Préparez la question, hein. Voilà, vous posez la question, Inch'Allah, on va essayer de... 60 à 61. Sourate 39, verset 60. Et au jour de la résurrection. Allah il dit, et au jour de la résurrection. Pour ceux qui veulent, c'est la sourate Zumar. Il verra le visage de ceux qui méritaient, qui mentaient sur Allah. Donc, les menteurs, ceux qui étaient donc dans les ténèbres, etc., tu verras leur visage ce jour-là. Assombri. Assombri. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il aura une demeure pour les orgueilleux? Bien, donc tous les orgueilleux ont pour destination finale l'enfer. On continue. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner bien leur place au donc, paradis. Allah, il dit ici, et Allah sauvera ceux qui ont été pieux. Donc, ce n'est pas le prophète qui va sauver, c'est Allah qui sauve. Donc, il est le sauveur par essence et par excellence, tel qu'il a déclaré dans Ésaïe 45, en dehors de lui, point de sauveur. Ça va. Donc, ici, Allah est déjà clair, dans la Bible comme dans le Coran. Maintenant, on va interroger Jésus dans la Bible. Est-ce qu'il est sauveur? Et ensuite, interroger Mohamed, est-ce qu'il est sauveur? Quand eux, ils vont nous dire aussi le point de vue, il n'y a pas de souci. On pourra aller donc avec les éléments de réponse de ta question. Ça peut aller? Ok. Il dit, je suis très méticuleux. Je prends Jean chapitre 5, verset 30. Jésus est clair. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, moi Jésus, c'est avec ça que je juge. Et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien. Donc quand il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même et qu'il est venu sur la terre pour se soumettre à la volonté de Dieu, il est venu ordonner ce que Dieu ordonne, interdire ce qu'il interdit, donc manifester la volonté de Dieu sur le plan horizontal comme vertical. Donc, on va continuer dans Jean chapitre 20, à partir du verset 20 à 23. Il y a une dame qui est venue voir Jésus, la mère des fils de Zébédée. Et elle lui a dit, Seigneur, j'aimerais que dans le paradis, l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle avait deux fils, il y a un qui s'appelait Jacques et l'autre Jean. Et Jésus va leur dire, pouvez-vous boire ma coupe? Ils vont répondre que oui. Jésus va dire, il est vrai que vous pouvez boire dans ma coupe. Mais ce qui est du fait que l'un de tes fils soit à ma droite, moi Jésus au paradis, et l'autre à ma gauche, cela ne dépend pas de moi Jésus, cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Donc Jésus montre clairement que même le paradis lui peut pas donner à quelqu'un, à plus forte raison une place dans le paradis. Cela n'est donné qu'à ceux à qui Dieu l'a réservé. Dans Jean chapitre 17, verset 24, Jésus fait une prière à Dieu en lui demandant, je veux que moi Jésus... mes disciples qui sont là soient avec moi là où je serai. Si Jésus était capable de les envoyer lui-même là où il veut, il n'allait plus demander à Dieu de le faire. Et donc, il commence par la volonté. Donc, alors que Dieu ne présente pas sa volonté devant quelqu'un, parce que Dieu, quand il décide une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est aussitôt. Ok. Donc, ça, c'était à ce niveau. Il y a tellement de versets, on ne va pas rentrer dans tout ça. Et quand je prends le cadre de Mohammed alayhi salatu wa salam, surat 7, verset 188. Voilà, je rappelle que nous sommes à la bibliothèque Koroko de Mans, quartier du Labougou, ceux qui nous suivent, vous pouvez venir, nous sommes en tête. Non. Verset 188. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit? Donc, nous voyons ici, comme je le disais tantôt, la majorité donc, des gens dans notre religion voilà, font l'erreur, surtout mes frères dans l'interreligieux. Donc, je demande à tout le monde de commencer à bien reformuler donc, ce thème. Par qui de Jésus et de Mohammed, l'Éternel sauve l'humanité, parce qu'eux ne sont pas des sauveurs par essence et par excellence. Qu'est-ce que le prophète va nous dire? Sourate 7, verset 188. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage. Ça, c'est le prophète qui déclare. Lui-même, il ne détient pas un profit pour lui-même, ni un dommage. Donc, il peut faire quoi pour toi?
Sauf ce qu'Allah veut. Sauf ce que Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable? Si moi, Mohamed, je connaissais l'inconnaissable, si j'avais un pouvoir quelconque, j'aurais des biens en abondance. J'aurais beaucoup de biens et j'allais vivre dans le bonheur jusqu'à ma mort. Et aucun mal. Aucun mal là, ne m'aurait touché. Ne m'aurait touché. Donc vous voyez qu'il n'a, il n'est pas sauvé de quelqu'un, mais c'est Allah qui sauve. Et il le dit clairement dans la sourate Kaf, sourate 18. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Je ne suis qu'un être humain comme vous. La différence c'est que j'ai reçu la révélation et Allah m'a choisi comme annonciateur, avertisseur pour donc établir le monothéisme puis son unicité, etc. Donc maintenant, je pense que c'est clair. On peut maintenant apporter les éléments de réponse. Ça peut aller? Non, allons-y. Non, okay. Allons-y. Prochaine question. Donc, non, ce n'est pas prochaine question. Ah bon? Il n'avait pas commencé à répondre. Ah, ok. Donc, je peux répondre maintenant. Donc, il dit, par qui de Jésus et de Mohamed Allah sauve l'humanité? Ok. Nous le disons, nous allons interroger Allah lui-même qui a envoyé Mohamed et Jésus. À qui est-ce qu'il a envoyé Jésus et Mohamed? Parce que pour être celui par qui on sauve l'humanité, il faut être celui qui a été envoyé à toute l'humanité par Ricochet. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas été envoyé à toute l'humanité et être celui par qui l'Éternel sauve toute l'humanité. On va regarder d'abord le champ de leur mission. Celui qui a été envoyé à toute l'humanité, automatiquement, on saura que c'est par lui que l'humanité est sauvée. Maintenant, l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit concernant Jésus dans Matthieu chapitre 1, verset 21? L'Éternel est clair. Et il dit, cet enfant Jésus-là, il envoie l'ange donc en songe à Joseph, « Marie, ta femme mettra au monde un fils » à qui tu donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son ici, c'est un adjectif possessif. Nous sommes allés à l'école, montons son matassa, etc. Il dit son peuple. Et le peuple de Jésus ne résume pas toute l'humanité. Et son peuple sans S à la fin. Il parle d'un seul peuple qui est le peuple d'Israël. Alors, quand on dit son peuple, est-ce que moi je suis israélite? Moi je suis ivoirien. Donc, ça montre que Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 6, l'Éternel même prophétise le champ de mission de Jésus avant même sa naissance physique sur la terre, en disant quoi? Oh, toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Voici encore une fois de plus le champ de mission de Jésus établi par l'Éternel Allah lui-même. Et quand Jésus lui-même va venir, il va établir son propre champ de mission. Mais avant d'y arriver, comme l'Éternel a établi le champ de mission de Jésus dans deux versets, on va regarder l'Éternel, on va l'interroger, il va établir le champ de mission de Mohamed. Est-ce qu'il a été envoyé aux Arabes, à son peuple, comme pour Jésus a été si bien clair? On rentre dans le Coran, dans la sourate 34, verset 28, Allah dit au prophète, alayhi sourate wa salam, « Wa ma arsalnaka illa kafatan linas, bashiran wa nazira, walakin aksara nas la ya'lamoun. » Et nous ne t'avons envoyé, toi, Mohamed, qu'à la totalité des êtres humains, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme les non-musulmans. Donc, Allah est clair. Nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains. Donc, toute langue confondue, toute race confondue, tout être humain, tant que tu n'es pas mouton ni cabri, il a été envoyé à toi. Ça fait un. Deuxièmement, dans la sourate 21, verset 107, il dit, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. » Et nous ne t'avons envoyé toi, Muhammad, qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et je termine avec la sourate 25, verset 1er. Allah dit, « Tabarak allazi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. » Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le Coran sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Donc voici trois versets qui étendent le champ de mission de Muhammad à toute l'humanité et même à l'univers, parce que l'humanité est inclue dans l'univers, mais l'humanité ne résume pas l'univers. Maintenant, on va avec Jésus rapidement. Est-ce que lui-même déclare, est-ce qu'il a contredit l'Éternel concernant son champ de mission? Jésus est plutôt venu confirmer que réellement il a été envoyé aux enfants d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus est clair. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Version Bible, Luc 2, 1910 comme Luc 2, 21. Et tu regardes la version Bible du semeur, il va dire, ma mission se limite seulement aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Oui. Donc Jésus est clair, il établit son champ de mission. Et quand il envoie même ses disciples encore à aller prêcher, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 à 7 et suite, il va leur dire, n'entrez pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs et n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il recadre même la mission de ses disciples. N'entrez pas chez les non-juifs. Maintenant, quant à Mohammed, alayhi salatu wa salam, surat 7, verset 158, il dit, « Ya ayyuhannas,
Inni Rasulullahi ilaykum jamia. Il dit, homme, moi Muhammad, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous sans exception. Et quand il regarde dans les hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam est clair. Il dit qu'un nabiyu yub'asu ila qawmihi qaso wa innama ana bu'istu ila nasi am. Il dit chaque prophète a été envoyé à son peuple respectif, mais moi, contrairement à moi, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Donc voici, celui qui a été envoyé à toute l'humanité est par ricochet celui par qui l'humanité est sauvée. Ok. Allons-y. Avant la prochaine question, je voulais rappeler que Amman ici, la TDR, je ne dirais pas, a fait un miracle. Pas, bon, dans quel sens le miracle? Parce qu'on ne parle pas trop de miracle et tout ça. Amman, dans la ville de Amman, il y a un an de cela, la DDR, de par ma voix, Allah a permis que nous convertissions une sœur. Elle habite à Amman ici. Son papa et sa maman sont pasteurs. Les deux, tous les deux parents sont pasteurs. Mais elle s'est convertie à l'islam. Et elle est toujours musulmane. Donc après, n'est-ce pas, cette rencontre-là, on va la confier aux représentants de la DDR pour que vraiment on puisse la soutenir dans beaucoup. Parce que, étant donné que papa, maman sont pasteurs, toi tu es devenu musulmane, imaginez un peu comment elle va vivre. Imaginez un peu quelles sont les difficultés qu'elle va traverser. Si ce n'est pas la grâce d'Allah, elle va décrocher, elle va laisser tomber tout. Et puis, elle peut retourner là où elle est. Parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'elle a des difficultés dans tout ça. Donc, allons-y. Prochaine question. Je voudrais savoir, sur quoi les musulmans sont basés sur l'islam et sur les religions de Dieu? Oui. Les musulmans se basent sur quoi pour dire l'islam est la religion de l'éternel Dieu? C'est simple. Parce que l'islam, les musulmans ne se sont pas autoproclamés musulmans. Mais c'est l'éternel Dieu lui-même qui les a appelés musulmans. Ça fait un. Ce n'est pas les musulmans qui ont dit, qui ont donné le nom islam. C'est Allah lui-même qui a donné le nom islam. Le Coran que les musulmans lisent là, ça ne vient pas d'eux-mêmes. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et elle est dans une langue bénie. Elle est dans la langue de la révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, surat 14, verset 4, « Et nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. » Donc, pourquoi nous disons l'islam, c'est la meilleure des religions, et la seule même d'ailleurs, parce que l'islam ne porte pas le nom d'une créature de l'éternel Dieu. L'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Alors que les autres religions telles que le bouddhisme, le brahmanisme, le judaïsme, le christianisme, ça porte le nom de quelqu'un. Et quand tu vois là les autres religions et l'islam, tu vois qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que tous les musulmans, ils ont la même divinité. Ils prient de la même manière, ils se procèdent de la même manière, ils récitent le Coran de la même manière. Les lieux de pèlerinage, c'est pareil. Tout ça, la ablution, prosternation et tout, et tout, et tout. Ils ne mélangent pas les hommes et les femmes parce que c'est une religion ordonnée, en fait. Donc, les musulmans ne prient pas comme ils veulent, mais c'est l'éternel Dieu qui leur a recommandé de prier de la manière dont ils sont en train de prier. Quand on est dans une religion de l'éternel Dieu, on ne s'invente pas une manière d'adorer. C'est à Dieu de nous dire, même à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, tu peux boire les comprimés comme tu veux. C'est au docteur de te dire, moi je te prescris les médicaments conformément à la prise de deux matins, midi, le soir, etc., etc. Donc c'est pareil que l'islam. On prie comme l'éternel nous l'a recommandé. Le nom du Coran est dans le Coran. Le nom de notre pèlerinage est dans le Coran. Le nom de notre grand jour de prière vendredi est dans le Coran. Le nom de notre livre est dans le Coran. Notre salut est garanti dans le Coran. Donc tout ça est réuni pour qu'elle soit la meilleure des religions. Et c'était la religion de tous les prophètes. D'Adam alayhi salam jusqu'à en passant par Jésus, et Moïse et tous les autres, jusqu'au dernier prophète Mohammed, c'est la religion universelle. Ce n'est pas une religion des Arabes. C'est pourquoi un musulman, tu vois, nous sommes amants. N'importe quelle mosquée nous allons trouver, nous allons prier dedans. Ce n'est pas une mosquée des Yakouba, une mosquée des Bressets. Non, non, non. On rentre, on prie parce que c'est la même divinité. Mais quand tu compares ça aux autres religions, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc c'est pourquoi souvent on a l'habitude de dire, mais si le prophète Mohammed descend sur la terre aujourd'hui, il va aller prier où? Mais dans n'importe quelle mosquée. Mais si Jésus descend aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Il y a un problème, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de problèmes dans le jeu, Inch'Allah. Donc, on va passer. Prochaine question. Ça va. Nous allons lire la sourate 65, verset 4. Sourate 65, ok. La sourate du divorce, ok. Vous pouvez poser la question à ceux qui sont dans le public. Vous levez la main, voilà, le frère, et puis bon, comme il n'y a pas de micro, vous allez vous lever pour lire, Inch'Allah. Sourate 65. Verset 4. Non. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes,
qui n'espèrent plus avoir de règne. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règne. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Nam, la question. La question, tu m'as expliqué la partie de où il a dit de même celles qui n'ont pas encore de règles. Ok. Oui. J'ai déjà vu beaucoup de non-musulmans parler de ça et traiter le prophète Mohammed de tous les noms, voilà. Les musulmans marient les bébés, etc. Parce qu'on dit non, de même celles qui n'ont pas de règles. D'abord, la sourate parle du divorce. Le titre même, c'est le divorce. Allah parle de 3 catégories de femmes. Il y a celles qui sont ménopausées, celles qui sont enceintes, et de même celles qui n'ont pas de règles. C'est-à-dire les délais. C'est-à-dire que de le divorce, si tu veux vraiment la divorcer, voici les 3 périodes. Celles qui sont ménopausées, là, 3 mois. Là, après les 3 mois, tu peux la divorcer. Celle qui est enceinte, là, à son accouchement, si tu veux, tu la divorces, si tu veux, parce qu'Allah peut envoyer, n'est-ce pas, de l'amour, de l'affection après l'accouchement, mais tu as le droit, si tu veux, mais tu attends à son accouchement. Mais de même, celles qui n'ont pas encore de règles, on va se dire, mais attends, mais les bébés n'ont pas de règles, jusqu'à une certaine âge, ils n'ont pas de règles. Comment on va dire encore, on parle de divorce, en même temps, on dit de même celles qui n'ont pas de règles. Les gens doivent savoir quelque chose, il y a ce qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle l'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est que l'aménorrhée? Il va lire, et puis vous allez entendre. Bismillah. Tu lis ça, à partir jusqu'à ce que tu t'arrêtes là. Qu'est-ce que l'aménorrhée? Oui. L'aménorrhée est définie comme l'absence de règles chez la femme qui a subi la puberté et n'est pas ménopausée. C'est un état, il y a des femmes. Elles sont dans la période, elles sont dans l'état de l'aménorrhée. L'aménorrhée se définit comme une femme qui est déjà ménopausée, c'est-à-dire elle, voilà, et celles, n'est-ce pas, qui sont déjà, on dit, l'absence des règles chez la femme qui a subi déjà la puberté. Elle a subi la puberté, mais elle ne voit pas ses règles. Et elle n'est pas aussi ménopausée, mais elle ne voit pas ses règles. Ce n'est pas les bébés. Cet état-là, on appelle ça l'état de l'aménorrhée. Mais les gens pensent que non, c'est les bébés, parce que voilà. Mais comment on peut parler dans un contexte de divorce d'un bébé? Le titre même, c'est le divorce. Le divorce. Même, je peux aller plus loin. Il y a des femmes, vous allez sur Internet, vous tapez. Elle est née jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'a jamais eu ses règles. Il y a des femmes comme ça. Elles sont là, elles n'ont jamais eu de règles. Mais c'est comme ça, c'est un état, etc., etc. Alors qu'un bébé, c'est une nature. L'autre, c'est un état, l'état de l'aménorrhée. Mais quand il s'agit des bébés, c'est la nature, c'est sa nature qui est bébé là. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent coller sur notre bien-aimé prophète Mohammed. Parce qu'Allah, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, c'est un excellent modèle à suivre. Tout ce qu'ils sont en train de dire sur lui, vraiment, Allah donne la bonne compréhension. Inch'Allah, on avance. Une dernière question de l'autre côté. S'il y a des gens qui ont des questions ici. Voilà. Il pose la question, comment un prophète sauve? Voilà, tu parlais tout à l'heure du sauveur. Oui. Oui, il sauve, Allah sauve pas. Oui, mais comment? Comment? Ok. Alhamdulillah. Très belle question, effectivement. Comment est-ce qu'un prophète sauve? Je rectifie. Voilà, c'est comment est-ce que Allah il sauve par un prophète? Encore une fois. Mais le prophète ne sauve pas. Voilà. Donc, ici, c'est Allah qui sauve. Bien. Ici, chez nous, en islam, c'est simple. Il n'y a pas de difficulté. C'est d'abord le fait, quand tu vis par exemple dans le polythéisme, dans la mécréance, hein, quel que soit, voilà, tu es non-musulman, quand tu décides donc d'embrasser l'islam, la première des choses, c'est de regretter d'abord, amèrement même, l'état de vie dans lequel tu étais. Regretter d'avoir été mécréant, regretter donc d'avoir été quelqu'un qui méconnaissait donc ton Seigneur. Le regret du péché que tu commettais, ça fait un. Après le regret, promettre à Allah de ne plus jamais retourner dans ce domaine-là jusqu'à ta mort. Et troisièmement, je vous donne les conditions du repentir. Et troisièmement, arrêter à l'instant T de commettre cet acte ou de sortir dans ce mode de vie à l'instant où tu t'es rendu compte que c'était de l'égarement. Maintenant, quand toutes ces conditions sont remplies, tu procèdes à quoi? À la conversion à l'islam. En quoi faisant, après le repentir sincère, en attestant
qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration excepté Allah et accepter Muhammad comme ton messager. Maintenant, cette parole qui reflète le tawhid n'est rien d'autre que le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité absolue d'Allah dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées et dans chacun de tes actes. C'est la conception nette qu'Allah est un et absolument unique. Il est transcendant. Il est Allah avant et après la création. Bien. Donc, à ce niveau, quand tu as déjà établi ça, tu deviens automatiquement musulman. On t'appelle musulman. Et maintenant, étant musulman, dans chaque organisation ou dans chaque société, il y a des règles, il y a des règlements intérieurs. Et donc, chez nous, les règles à suivre se trouvent où? Dans le Coran. Et qu'est-ce que le Coran pour nous, les musulmans? C'est le manuel d'utilisation de l'être humain. Tous les appareils que nous achetons, téléphone, ordinateur et autres, ça vient avec un petit papier dans le carton qu'on appelle le manuel d'utilisation. Et quand tu ne respectes pas les consignes du fabricant, ton appareil ne va pas durer. Et donc, le manuel d'utilisation qui accompagne l'être humain, c'est bien le Coran. Et celui qui ne respecte pas les principes et donc les critères qu'Allah nous donne, sur lesquels on doit marcher, donc pour mener une bonne vie ici, pas comme dans l'au-delà, celui qui ne respecte pas aura une mauvaise vie ici et il perdra donc dans l'au-delà. Et donc, quand tu deviens musulman, maintenant, tu vas marcher sur les consignes d'Allah qui consistent à quoi? Je prends par exemple la sourate 5 à partir du verset 2 et 3. Allah est clair. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa al-qudwan wa taqullaha inna allaha shadid al-iqab. Allah est clair. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres, donc dans le bien. Cela voudrait dire tout simplement, tout ce qui est bon, c'est ce que tu dois faire dorénavant, et tout ce qui est mauvais, tu dois t'en éloigner. À toi maintenant de regarder les détails, le mensonge, le vol, la fornication, les meurtres, etc. À toi de t'éloigner de tout ça et aller vers tout ce qui est bon. Donc je résume tout maintenant pour te donner. Pour nous, le moyen du salut n'est rien d'autre que de reconnaître Allah comme ton Seigneur. Muhammad a.s.w. comme ton messager et te soumettre au commandement d'Allah en accomplissant les 5 prières qui t'ont été prescrites par Allah, en accomplissant le jeûne du mois de Ramadan, en accomplissant la zakat si tu as les moyens, en accomplissant le pèlerinage si tu as les moyens, en te conformant donc à la révélation d'Allah. Voici le moyen pour nous musulmans par lesquels Allah est sauvé. Et Allah est clair. Dans la sourate 43, verset 68, au verset 70, il faut lire. C'est très intéressant, je ne pouvais pas te lire. 43, verset 68 à 70. On va mot par rapidement. Sourate 43, verset 68. Ô mes serviteurs, Allah est dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte donc, aujourd'hui. Allah, il nous rassure même dans notre foi musulmane. C'est-à-dire, avant même notre mort, nous sommes déjà rassurés, comme la sourate 41 le dit également. Les anges même viennent, lorsque ton âme doit être ôtée de ton corps, les anges même du paradis viennent t'annoncer la bonne nouvelle du paradis. Et ici, Allah est dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, pendant que nous sommes là, pendant que le jugement n'est pas encore fait, tout le monde sera apeureux, craintif. Et chacun est là parce qu'il ne sait pas quel sera son sort. Allah dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Allah dit, ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Donc, sur cette terre ici, si tu crois aux signes d'Allah, à la révélation d'Allah, aux prescriptions d'Allah, aux commandements d'Allah, et que tu t'y conformes, donc Allah dit quoi? Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous et vos épouses. Ça, ce sont les épouses soumises à leur mari et à Allah aussi. Hein? Pas n'importe quelle épouse. Hein? Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Et vous y serez fêtés. Donc, voici un verset qui est clair. Pour nous, le salut est très simple. Voilà. Maintenant, nous voyons, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, une autre manière qu'on nous enseigne concernant le salut. Dieu serait fâché contre l'humanité. Pourquoi? Parce que le père de l'humanité, qui est Adam, aurait commis un péché dans le paradis. Et après avoir commis ce péché, l'Éternel serait tellement en colère contre lui, rien n'a pas pu apaiser la colère de l'Éternel contre Adam, ni le repentir d'Adam, ni quoi que ce soit.
Tous les prophètes sont venus, les Noé, les Abraham, les Moïse. Tous ces prophètes-là n'ont pas pu donc apaiser la colère de l'Éternel. La seule solution que l'Éternel a trouvée pour pouvoir pardonner enfin à l'être humain, c'est que Dieu se serait fait un homme. Il a pris la chair humaine, passant par une de ses créatures, une femme qu'il a mise au monde, et il avait lui-même se donné aux êtres humains contre qui il est en colère. Eux, ils vont le prendre pour le tuer et puis il va leur pardonner maintenant, s'il croit en sa mort. Vous-même, vous serez en train de dire, est-ce que lui-là, il n'a pas un coup sur le cérébral? Est-ce que vous, quand vous me suivez? Donc, Dieu qui a tout, c'est-à-dire qui a le pardon absolu, celui qui est le miséricordieux, s'il décide de pardonner à sa création, il suffit de dire seulement, je pardonne, c'est fini. Parce que quand il veut une chose, son commandement consiste à dire, soit et elle est aussitôt. Mais à cause du péché de pomme qu'Adam a mangé, je dirais pomme, 200 francs, une pomme, 200 francs. Il n'a pas pu pardonner ça, il est venu se tuer lui-même. D'aucuns disent que non, ce n'est pas lui, mais il a envoyé son fils engendré par lui. Ça c'est encore grave, Dieu qui engendre, engendré par lui, il a tué son propre fils pour pouvoir nous accorder son pardon. Nous disons que c'est un enseignement qui n'est pas bien. Nous venons de vous montrer comment Dieu sauve réellement. Dieu ne vient pas se faire tuer parce que si quelqu'un est en train de se noyer et moi je dois lui apporter mon secours, j'arrive à côté de lui, je prends un marteau, je me cogne sur la tête, je tombe, il doit croire à ma mort pour sortir de l'eau au lieu d'aller le faire sortir. D'accord. Il nous reste 15 minutes pour mettre fin à cette émission, Inch'Allah. Mais avant de poursuivre, il y a près de 4 à 5 personnes qui veulent poser des questions. Mais avant de poser la question, je vais donner la parole à notre responsable du, n'est-ce pas, de la bibliothèque qui est là. Il peut juste se présenter et puis bon, voir un peu la motivation du, n'est-ce pas, de la bibliothèque. C'est vrai que c'est une bibliothèque islamique, mais qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que la jeunesse musulmane, c'est par rapport à les cultiver? Est-ce que c'est votre manière aussi de faire dawa? Parce que faire ça aussi, c'est faire dawa. Se procurer tous ces livres-là, mettre à la disposition de la population pour qu'ils puissent s'en procurer, ou encore venir lire. Parce que quand nous étions là, vous avez dit, tout le monde est le bienvenu, vous pouvez venir lire, apprendre et puis repartir. Qu'en est-il réellement pour vous? Vous présentez et puis vous dites un peu le sujet, Inch'Allah. Bismillah. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, moi, c'est bon, j'ai attrapé. Et moi, c'est M. Doumbia. Ça va, ça tire. Ça tire là-bas. Ça tire. Ok. Je disais, je suis M. Doumbia Boubaka, natif de Mans. Voilà, même motivation. Allez, t'as mis devant la caméra. Disons que je vis à Boston, j'ai vu la réalité de la lecture, comment les Américains ils arrivent à bien se cultiver, c'est dans les livres. Donc c'est ça qui m'a motivé. Et j'ai vu aussi les religieux, comment on peut s'imposer dans la vie active. Sans la lecture, on peut pas, on peut rien faire. Effectivement. Voilà. Qui dit l'islam, qui dit la prière, il faut savoir qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Effectivement. Quelles sont les sourates qu'il faut prononcer. C'est ça qui m'a motivé. Puis j'ai vu mes frères, amants, vraiment la lecture, c'est pas le problème. Oui. La religion, il y a beaucoup de religieux, mais ils ne pratiquent pas. Et aujourd'hui, je félicite les femmes amants. Et les enfants. Vraiment, et quelques imams qui viennent se documenter ici. Ici, on a fait la bibliothèque pour tout le monde, même les chrétiens, même le Monseigneur. Chaque fois, il est ici avec nous. Mais nos imams, ils sont absents. Donc, vraiment, je vais vous motiver encore plus par rapport à votre dawa. Oui. C'est de. D'annoncer la bonne nouvelle à nos imams. Oui. La bibliothèque, c'est pour enlever les grains de sable qui sont en bas des pieds des musulmans. Pour bien faire le kutuba, c'est pas facile. Ici, on a fait ça pour qu'ils viennent se documenter. Inch'Allah. Voilà. D'accord. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Coran. Voilà, quelqu'un disait comme ça, pourquoi pas Corantech? Oui, parce qu'il a raison, parce que bibliothèque, c'est rassemblement de plusieurs livres. Donc on dit, c'est là que le nom de la Bible vient, mais ce n'est pas un problème. Quand on dit bibliothèque, bibliothèque veut dire, hein, la Bible, il y a rassemblement de plusieurs livres. Et c'est ce qui se passe là.
rassemblement de plusieurs livres. Ça ne fait pas forcément allusion à la Bible. Ok, d'accord. Allons-y pour les questions. Kanté Ablaye. Ablaye Kanté, tu lèves la main, voilà, tu poses la question depuis ta position. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon question est la suivante. Aujourd'hui, en islam, on constate qu'il y a plusieurs branches. Il y a les Tindania, ceux qui vont mettre la Tindania. Bon, moi j'aimerais savoir si on doit se fier à tous ces branches, quelles branches nous devons suivre exactement? Alhamdoulilah, je vais commencer, Ibrahim va terminer. Allah dans le Coran, il dit, surat 6, verset 159, il dit, ceux qui émiettent, en cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Allah les informera sur quoi ils s'opposaient. Nous, au niveau de la DDR, nous sommes musulmans. Musulmans quoi? Tout simplement musulmans. Suivez la religion d'Abraham. Homme de droiture, il était musulman, il n'était point du nom des associateurs. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc c'est l'islam qui est notre religion. Maintenant les appellations, ça à eux maintenant peut-être on pourra poser la question, d'où vous sortez ces appellations-là? Sinon nous suivons tous Allah, nous adorons Allah et nous suivons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui nous a interdit et autorisé de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un te demande tu es quoi, faut dire tu es musulman. Oui mais musulman quoi? Non je suis musulman. Point bas. Il n'a qu'à monter des sangs, tu es musulman. Voilà un peu, bismillah. Bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je pense que, à la base, d'abord, c'est ce qu'il a dit, nous sommes musulmans. Maintenant, quant aux autres appellations et les additifs qui ont été ajoutés, voilà, comme voilà, la Tidjania, la Kadouya, etc., et d'autres pratiques, nous sommes qui pour dire que ce sont des mauvaises branches? Qui sommes-nous pour se prononcer sur ce sujet? Ce sont des savants, ce sont des chouyous qui enseignent, voilà, donc et tout. Mais moi, ce que je peux te dire à la base, ce qu'il te faut pour avoir le salut, c'est ce que je vais te démontrer dessus tout simplement. Les autres ne sont que des choses, des additifs, etc. Si tu fais, peut-être tu auras plus de mérite, mais si tu ne fais pas, tu n'iras pas en enfer. Pourquoi? Quand j'ai étudié, j'ai un peu l'histoire donc, de beaucoup de ces branches. Je me suis cultivé, que ce soit au niveau de la Tidjania, etc. Ce sont les chefs même fondateurs donc de ces branches-là sont nés après l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam et ils n'ont même pas vécu au temps même des Sahaba. Donc, dans ce sens-là, si c'est la clé du paradis qui est là, pourquoi Allah révèle ça à un chef après le passage du prophète alayhi salatu wassalam? Donc, tu comprends que ce n'est pas la clé du paradis parce que le prophète a enseigné la religion et Allah est clair. Dans la sourate 5, quand le prophète partait à partir du verset 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-din. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Tout ce que le prophète a enseigné, c'est ce qui devait nous envoyer au paradis tout simplement. Ce qui vient après, ça peut être des moyens encore plus faciles pour, dans la spiritualité, pour être encore plus proche d'Allah, dans le zikr, etc. Et tout. Il y a des mérites, j'ai lu dans les kitab, etc. Mais ce n'est pas conditionné pour dire si tu n'es pas ceci, tu n'iras pas au paradis. Sois musulman, suis Allah et son messager et les prescriptions d'Allah, tu iras au paradis de Iznillah. Inch'Allah. Prochaine question, nous tirons à la fin de cette conférence. Je rappelle que nous sommes à Mans. À Mans pour une tournée de sensibilisation de la jeunesse, en même temps faire dawa, parce que nous sommes en période électorale. Et il est de notre devoir au niveau de la DDR d'essayer de, n'est-ce pas, de participer aussi, n'est-ce pas, à la sensibilisation de la jeunesse autour de cette période électorale. Nous sommes à Mans, n'est-ce pas, à la bibliothèque Koroko de Mans, du Labougou. Et en même temps, nous profitons pour installer la base de Mans. Et nous allons ici, Inch'Allah, revenir dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, pour une grande conférence à Mans. Demain ou après demain, demain nous serons Inch'Allah à Danané et ensuite nous serons à Djiglo, nous serons également à Bangolo. Essayez de sensibiliser les jeunes autour, n'est-ce pas, de cette période, comme nous l'avons dit, de, n'est-ce pas, écouter le message de l'islam encore une fois, Inch'Allah. Allons-y. Anne-Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que c'est une question? Est-ce que
elle demande, comme l'islam recommande l'obéissance aux parents, et s'il se trouve qu'une sœur, hein, les parents veulent l'imposer, un homme qu'elle ne veut pas, elle a même dit qu'il n'est pas dans ses critères à elle, est-ce que si elle s'oppose, c'est une désobéissance, c'est un péché, c'est une désobéissance aux parents? Je vais me prononcer, Ibrahim va compléter, Inch'Allah. Ma sœur, si les parents, d'abord, il n'est pas, c'est pas recommandé dans le Coran, Allah dit, n'épousez pas les femmes contre les gré. On ne doit pas les marier contre les gré, obligatoirement. Mais si tu dis que tes parents t'imposent quelqu'un et que tu ne veux pas de cette personne, dans ce cas, il faut être sage. Il ne faut pas faire ce que les mariés font. Ah, c'est ça. Soit, trouve quelqu'un pour envoyer, pour qu'on puisse faire le mariage. Parce que tu as peut-être atteint le mariage, ou tu as dépassé même le mariage. Tu as la maison chez le vieux, ce n'est pas un problème. Mais tu ne veux pas te marier, tu n'envoies pas aussi quelqu'un pour le présenter, et puis tu es dans l'allée. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, ça devient compliqué. Si les parents te proposent quelqu'un, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas envoyé quelqu'un. Si tu envoies quelqu'un qui est musulman, et que les parents aussi ne cherchent pas un critère de richesse, ou encore un critère qui n'a rien à voir avec les critères, les quatre critères que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il peut avoir un problème. S'opposer aux parents, le Coran dit on peut s'opposer aux parents de la manière, ça dit avec la manière, mais sauf si il t'amène à la désobéissance à Allah. Mais en même temps, Allah dit de ne pas les épouser contre les grés. Bon, si les parents, je vais terminer sur ça, ils veulent te donner un mariage, tu dis tu ne veux pas, sois capable de les présenter quelqu'un auquel ils peuvent accepter. Sinon, toi, quand même, tu ne peux pas être amant. Et puis, c'est toi qui as, pas toi, hein, je parle de la personne en question, mais on te voit avec tous les gars, par-ci, demain elle est l'autre, après demain elle avec l'autre, après demain elle avec l'autre, il y a des sorts là, Amim, Nametim, Frousseau. Ok, Alhamdoulilah. D'abord, à la base, voilà, j'irai avec le Coran. Allah est clair dans la sourate 31, à partir du verset 14 à 15. Allah, il nous dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Donc ici, par ce verset, Allah il nous commande l'obéissance totale à nos parents. Ne pas donc leur désobéir. Maintenant, le verset 15 va continuer. Allah il va dire, et si tous deux, c'est-à-dire tes parents, te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Donc par la suite, Allah il nous montre ici, l'obéissance avec tes parents, c'est dans l'obéissance à Allah aussi. Mais si tes parents t'exhortent à aller désobéir à Allah, Allah t'interdit de leur obéir dans lui sa désobéissance. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut marier une fille contre son gré? Il a déjà dit effectivement, Allah dit n'épousez pas les femmes contre leur gré, ce qui est clair. Mais aussi dans la sourate 30, la sourate Rome, Allah est clair. Il dit, « Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. » Il dit, « Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, vos épouses. Elles ont été créées de nous pour nous. » Et ça veut dire quoi? Il dit, « Wa ja'ala baynakum mawaddata wa rahma. » Il dit, « Il a placé entre l'homme et son épouse affection et amour. » Donc voici ce sur quoi le mariage est bâti, l'amour et l'affection. Tout mariage qui n'est pas bâti sur ce fondement, l'amour et l'affection, c'est un mariage qui est caduque devant Allah. Ce n'est pas un mariage valable. C'est pourquoi Allah dit « Wa ja'ala baynakum mawaddata wa rahma ». Il est clair. C'est ce qu'il a mis comme base, comme sous-bassement du mariage entre l'homme et la femme. Maintenant, dans le cadre où on peut te tirer par les oreilles pour aller, c'est ce qu'il a dit là. Toi, tes parents viennent te dire « Il faut te marier ». Tu dis « Tu ne veux pas ». Ok. Mais c'est toi qui es dans les rues. La nuit, le vieux dort, tu prends clôture pour aller. C'est sur toi que les chiens aboient la nuit. Et puis tu fais que finir sac de rue du vieux et puis tu es en train de bafouer son honneur. C'est compliqué. Partout, il passe, mais on dit, c'est sa fille qui a fait ceci. Ah non, l'imamba de Ousso. Ambisri. Ah, caramba, et puis on va aller te donner. Clairement, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Mais après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mariage forcé n'est pas licite pour nous dans notre religion. Et dit même, si vous voulez donner votre fille en mariage, interrogez-la et son silence serait symbole de son consentement. Claire. Prochaine question, Falikou Dosso. Ouais. Donc, ok. Répète cette question. Cette nuance, il dit
Étant donné qu'en islam, c'est Allah qui sauve, nous avons démontré. Et comme dans l'autre côté, on dit que c'est Jésus qui sauve, cette nuance-là, il veut savoir. Et en réalité, il y a ce qui est enseigné par Jésus et il y a ce qui est enseigné sur Jésus. Nous travaillons avec ce qui est enseigné par Jésus parce que dans Jean 14, 24, Jésus est clair. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous attendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc comme nous, on aime Jésus, nous les musulmans, nous on garde ses paroles. Et moi, je vais te donner des versets où Jésus lui-même déclare qu'il ne sauve pas. Maintenant, si quelqu'un vient te dire après que c'est Jésus qui sauve, toi-même tu sauras la nuance. La nuance, c'est que cette personne contredit Jésus lui-même. Jésus est clair dans Jean 5, 30, le verset que j'ai donné ici en amont. Il dit, moi Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Je m'arrête même là, je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, peut-il te sauver? Non. Quand Jésus a été crucifié, dans Actes 5, verset 29 à 30, Simon-Pierre et les disciples répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mais Simon-Pierre dit, Jésus qui est mort là, c'est Dieu qui est venu en aide, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Quand bien même que dans la foi musulmane, nous ne croyons pas qu'il a été tué, mais je me réfère à leur Bible pour montrer la contradiction entre eux et leurs propres livres. Si c'est Dieu qui l'a ressuscité, il est sauveur, il n'a pas pu se sauver de la mort, il est mort et c'est Dieu qui vient le ressusciter. S'il est le sauveur, le Dieu qui l'a envoyé, lui, il est qui? Question. Donc, je termine ta réponse. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En vérité, le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. C'est par lui que Dieu sauve le monde, mais ce n'est pas lui qui est le sauveur par essence et par excellence. Parce que c'est Dieu qui a aimé le monde et qui a donné son Fils. Si moi je te donne un sac de riz pour finir la faim dans ta famille, tu as fini de manger, tu es rassasié, au lieu de me dire à moi le donateur merci, tu vas t'agenouiller devant le sac de riz pour dire merci. Rapidement pour compléter, on a dit ceci, c'est par lui que Dieu sauve. Hein. Oui, mais c'était seulement pour les enfants d'Israël, il faut préciser. Parce que les gens ont l'impression que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière, mais sa mission se limite aux enfants d'Israël. Parce que Jésus n'était pas sauvé à l'époque où Abraham était là. Dieu ne sauvait pas par Jésus à l'époque d'Abraham. Dieu ne sauvait pas par Jésus lorsque Moïse était là. Dieu sauvait le peuple de Moïse par Moïse. Le peuple d'Abraham par Abraham, le peuple de Jésus par Jésus, l'humanité tout entière par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attendez. Voilà. Prochaine question, soirée Mohammed. Oui. Wa alaykoum salam. Est-ce que Jésus est chrétien? Ah, le frère demande si Jésus-Christ était chrétien. Mais c'est non. On va même pas aller loin. Il n'a jamais entendu même le mot chrétien. Le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Voilà, Jésus n'a pas enseigné le christianisme. Le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. Mais le mot christianisme, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Chrétien et non christianisme. Alors que le mot musulman, oraniquement, le mot islam est dans le Coran. Jésus était musulman. Nous disons, l'islam bénit celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu. Sourate 21, 25, Allah dit, nous n'avons envoyé des messagers sans pour autant lui dire pas de divinité à part Allah. Allah dit dans le commandement, sourate 42, verset 13. 42, 13. Il dit, nous avons enjoint à Moïse, à Abraham, à Jésus, il cite les prophètes, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc c'est la même religion qu'ils sont venus enseigner. Ce n'est pas tous les prophètes, ils sont des frères. Maintenant, si Jésus était un chrétien, pour les chrétiens se réclament de Jésus, mais Jésus ne connaît pas les chrétiens. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, admettons ou encore supposons que Jésus soit chrétien. Bon, il était chrétien quoi? Protestant, catholique, évangélique, mormon, rose-croix, assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah, le christianisme céleste, Séma, etc. Il était chrétien quoi? Donc il n'a jamais été chrétien. Il peut descendre sur terre aujourd'hui, il va se prosterner avec ceux qui se prosternent, parce qu'il se prosternait dans la Bible pour prier. Il peut avoir 10 églises ici. Bon, si Jésus passe dans les rues ici, là, il rentre chez qui maintenant? Tout le monde se réclame de lui. Donc nous nous disons, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc il va essayer de compléter. Donc, je termine pour dire qu'il était musulman. Regardez un peu la sourate 30, verset 30. Allah il dit, « Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi lati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakin aksara an-nasi la ya'lamun. » Et dit au prophète, dirige ton être exclusivement vers la religion à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. Donc l'islam est notre nature originelle. Depuis le commencement, nous sommes musulmans. Sourate 383 confirme.
Allah il dit, quelle autre religion les êtres humains désirent-ils alors que lui sont soumis de gré ou de force tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le verset 85, il dit, l'islam est la religion qu'Allah agrée et quiconque adhère une autre religion excepté l'islam, cette religion ne lui sera point agréée et le jour du jugement dernier sera du nombre des plus grands perdants. Donc quand il dit l'islam est notre religion originelle et il dit à la suite du verset 31 maintenant, Munibina ilayhi, venez repentant à Allah. Nous allons regarder les critères qu'Allah signe, est-ce que Jésus les a remplis pour être musulmans. Il dit venez repentant à Allah. Quand tu prends Matthieu chapitre 3 à partir du verset 14 jusqu'à 16, Jésus est venu dans le Jourdain et s'est fait baptiser par Jean. Et quel était le baptême que Jean faisait? Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc Jésus s'est repenti dans le baptême de la repentance. Ça fait un. Allah il dit waqtakuhu et craignez Allah. Deuxième critère, est-ce que Jésus était un craignant Dieu? Tu prends Hébreux chapitre 5 verset 7. C'est lui Jésus pendant sa vie terrestre. Il a adressé des prières et des supplications avec des larmes et des cris à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété, donc à cause de sa crainte en Dieu. Et Allah il continue, est-ce que Jésus a accompli l'adoration, est-ce qu'il a adoré Dieu, il a voué un culte à Dieu? Oui, Matthieu chapitre 26 verset 39, Jésus faisant quelques pas en avant se prosterna face contre terre et pria Dieu. Luc chapitre 6 verset 12, Jésus passa toute la nuit en faisant la prière à Dieu. Et Allah il dit, voilà takounu minal mushrikin, et ne soyez point du nombre des associateurs. Et quand tu regardes Marc chapitre 12 verset 29, Jésus déclare comme Moïse dans Hébreux chapitre 6, dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, en hébreu, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc il a rempli tous les critères qui feront de lui musulman et Jésus était musulman dans la vie. Le mot chrétien a vu jour à l'an 43 après le passage de Jésus. Jésus est parti à l'an 33. Le mot chrétien a vu jour à l'an 43. La question qu'on se pose, Jésus peut-il appartenir à quelque chose qui est venu 10 ans après lui? Merci beaucoup. C'était la conférence débat. Il y a une dernière question, c'est fini. Merci le temps. Voilà. Une dernière question. Si c'est tout cas. Et lui, ouais, alaykoum salam. Avec qui? Ok. Alhamdulillah, la sœur demande, comment on dit, d'obéir aux parents. Alors que tu peux être dans un groupe islamique, ta maman te dit de rester, qui est maintenant encore pour que non, on a réunion de groupe islamique, je dois partir ou pas. Mais tu as l'arrivée, c'est carrément. Si tu vas là, il faut dormir là-bas. Voilà. Comment ça? Au moment où il était là, souffrir avec toi dans son ventre, le groupe islamique était là. Ah, parce que, ça, il n'y a pas de débat dedans même. Tu obéis à ta maman, groupe islamique là, c'est vrai, c'est bon pour la jeunesse, ça nous éduque. Mais maman vient en priorité quoi. Voilà, faut obéir à maman. Parce que voilà, quand bénédiction que tu cherches chez maman là, peut-être que ceux qui vont aller pour te laisser en train de chercher bénédiction de maman, demain tu seras chef du groupe islamique là par rapport à ceux qui sont partis apprendre avant toi. Donc faut respecter maman, c'est très 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 important. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je sais de quoi je parle. L'obéissance à maman fait partie même de l'adoration d'Allah. Non. Allah a décrété, rien ne doit être adoré en dehors de lui. Et ensuite, il place les parents en deuxième position. Tu as vu ça? Donc, pour te dire tout simplement, si maman t'empêche de faire les cinq prières obligatoires, il ne faut pas obéir à maman, il faut faire la salat. Mais si c'est pour aller juste un groupe islamique, retrouver tes amis pour une formation et autres, si maman te dit reste à la maison, l'obéissance à maman est un acte d'adoration. Obéir. Ça, là, c'est pas débat, quoi. Dernière question. Voilà. La dernière question, monsieur Djibril. Djibril, pour la dernière question. Voilà. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. On va dire salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Salam alaikum. J'ai connu un ami de pété qui est converti en islam. Et comme ça, qui a croisé une fille musulmane. Et il a décidé de marier la fille. Donc. Il a dit à la fille, après, il faut d'abord faire la chose à ta maman et voir ce qu'elle va dire. Mais dernièrement, je ne suis pas comment dire. Musulman. La pomme, on le dit, parce que c'est le phénomène dans le plus, ça nous tue beaucoup. Donc la fille a arrivé sa maman. Ça dit, non, pas question. Je ne veux pas ce genre de personnes dans ma famille. La fille dit, mais il prie. Parce que même d'ailleurs, aujourd'hui, au lieu de demander s'il prie,
il a un bon comportement, c'est le contraire. Il fait quel travail, il est tel ethnie. Au lieu de demander s'il est musulman. Et même d'ailleurs aujourd'hui, c'est resté comme ça. Or, le jeune avait l'envie de se marier à la fille. Donc, c'est resté comme ça. Or, aujourd'hui, on ne voit que nous, d'ailleurs, nos parents, les enfants, femmes qui sont là, mais ça aurait été un plan qui était venu sans même chercher à savoir s'il est musulman ou s'il est chrétien, peut-être même un panier, au lieu d'à toi rouler. On prend encore. Donc ce petit produit-là, vraiment très souvent, moi j'analyse, je trouve pas de réponse à ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi quand un homme vient, si les musulmans, nos parents ne donnent pas, il a un bon comportement, nos parents ne donnent pas leur vie. Il faut forcément la personne qui est vue. Or cette personne qui peut avoir le genre comportement, c'est pas parce qu'on le connaît, il s'appelle d'état quelque chose, qu'il est musulman, qui va bien avec la fille. Le frère parle de mariage, on va terminer sur ça, Inch'Allah. Il parle du mariage dans la religion musulmane ou encore chez nous pendant tout là. Quand quelqu'un vient marier notre fille, le plus souvent on refuse de donner parce que le gars n'a pas les moyens ou encore il n'est pas un bon boulot et tout ça. Mais quand un blanc vient, on prend, on donne. Maintenant, tu avais parlé du frère qui est pété, mais est-ce qu'il est musulman? Il est musulman. Ok, il est musulman. Ok. S'il est musulman, après tout, il n'est pas chrétien. Je pense que c'est leur droit. S'ils veulent donner, ils donnent. S'ils ne veulent pas, ils laissent. Mais si quelqu'un est musulman et que selon l'islam, c'est parmi les critères qui sont recommandés, c'est sa religion même. Voilà, la religion. Quand tu veux marier une femme, voilà sa religion, sa richesse, sa beauté, sa noblesse et sa religion. Mais sa religion, n'est-ce pas, le critère le plus élevé, le plus absolu. Maintenant, s'ils ne veulent pas donner, sincèrement, on ne peut pas les obliger. Mais en même temps, on peut parler aux autres parents pour dire, mais en même temps, quand vous refusez de donner les filles à mariage et que le monsieur est musulman, il peut s'occuper de la fille, quand vous refusez là. Mais si elle a pris grossesse au dehors, elle va venir mettre ça sur vous. Vous serez quand même responsable. Il y a des cas qui arrivent, on peut comprendre. Mais si la fille, elle est prête à se marier, le monsieur veut la marier, les parents refusent parce que celui-là n'a pas les moyens, islamiquement, ce n'est pas ce qui est demandé. Il peut nourrir la fille, non? Oui. Il est musulman, oui. Certains critères qu'on demande si on peut, s'ils veulent, ils doivent donner. Mais on ne peut pas les obliger. Donc, mais le système est au courant. Il y en a même, il y a des associations qui sont là. Ma fille veut se marier, par exemple, et que les membres de l'association ne sont pas là. La femme, la maman refuse. Okay? Parce qu'on lui attendait au pays. Parce que moi, il y a cotisé pour les autres. On doit attendre peut-être 3 mois d'abord avant que le taux arrive 6 mois. Parce qu'ils vont cotiser pour me donner. Alors, de la grande peau, il a rejeté la vie. Allez, ça devient grave. Donc, certains aussi viennent. Même il y a des personnes, il n'a qu'à venir garer une grosse voiture tout à l'heure, comme tu l'as dit. Les gens vont commencer à s'intéresser à lui à cause de l'intérêt qu'on voit. Et le plus souvent aussi, les jeunes refusent d'aller demander la main de nos filles en mariage. Parce que quand ils viennent là, c'est les 10 complets on demande. Il y a des familles là, c'est 10 bœufs. Ils ont dit 10 bœufs, je veux là, c'est coutume. Mais il va quitter un saouza. Il n'a pas donné 10 bœufs quoi. Mais il va. Non, c'est compliqué. Donc ça existe vraiment. Donc on ne fait que dénoncer. Il y a d'autres situations également, on dit non. Tel prénom ne peut pas marier tel prénom. Lui là ne doit pas marier lui là. Mais ce n'est pas islamique. Ça n'a rien à voir l'islam. Il est musulman, oui. Le prophète Salam a marié des noirs, des juifs, etc. etc. Mais quand on donne la bonne compréhension, comme on a dit, on a dans le messager d'Allah un excellent modération. Les parents n'ont qu'à sciencer. Le gars, il remplit les critères. Il a un bon comportement. C'est vrai. On ne peut pas prendre nos enfants ensuite, donner à n'importe qui. Même s'il a les moyens. Il peut avoir les moyens, non? Alors que c'est le plus grand chercheur. Pour un des jupons même de la ville. Bon, tu as regardé le petit truc qu'il a pris pour venir. Tu prends ta fille, tu donnes. Après, on commence à regretter. Quand on donne la bonne compréhension, Bismillah, c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais terminer rapidement. Je vais répondre tout simplement selon l'islam. Parce que l'islam ne vient pas s'adapter à nos coutumes, nos modes de vie et nos envies. Mais c'est nous qui devons nous adapter aux enseignements de l'islam. C'est clair. Bien. Donc, à ce niveau-là, est-ce que. Qu'est-ce que l'islam nous veut gérer directement droit au but? L'islam nous dit tant que la personne est musulmane et est de bonne moralité, automatiquement le mariage est permis. Parce que l'islam est une... Les musulmans sont des croyants, ce sont des frères. Allah dit dans la sourate 49, innamal mu'minuna ikhwa. Il dit, les croyants sont des frères. Donc, l'islam est... Les musulmans sont une famille.
Allah il regarde pas, tu es Djoula, tu es Senko, tu es Bété, tu es Yakuba, Allah il regarde pas ça. Tant que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu deviens automatiquement musulman. Et il est permis que cet homme-là se marie à n'importe quelle femme musulmane de bonne moralité, ou cette femme-là se marie à n'importe quel homme musulman de bonne moralité, parce que l'islam transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle. Ces histoires d'ethnie et autres, l'islam surpasse tout ça. L'islam a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. C'est pourquoi le prophète, lors de son pèlerinage d'adieu, il a dit « Ô homme !» Il dit « Vous êtes tous d'Allah, c'est votre créateur, et Adam, vous êtes tous ses descendants, il est votre père, donc toute l'humanité. » Et il dit « L'arabe ne sera pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. » Ok. Merci beaucoup. C'était cette petite causerie débat ici, n'est-ce pas, à la bibliothèque Koroko de Mans, quartier du Labougou. On rappelle que demain, Inch'Allah, nous serons à Danané encore pour peut-être sensibiliser encore la jeunesse au niveau de cette période électorale et en même temps implanter la base des DDR de Danané. Également, nous irons à Diglo. Essayez encore de sensibiliser la jeunesse. Je répète encore, cette période, nous avons décidé nous-mêmes de se lever, venir sensibiliser les jeunes, n'est-ce pas? On est musulmans, on fait la dawa et ça fait partie de la dawa. Pour dire élection sans violence, élection sans mort. Parce qu'on ne veut pas voir nos enfants en train de se faire tuer dans les rues à cause d'une période électorale. Les gens n'ont qu'à aller voter. Votez candidat que vous voulez. Celui qui a gagné, a gagné. Et qu'Allah met la paix dans toute la sous-région, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Parce que le Cheikh Aïma disait comme ça, quand il y a le feu chez ton voisin, il faut prier pour lui. Parce que le feu, la paix arriver chez toi. Donc c'est pour cette raison que nous faisons cette doigt-là. Merci beaucoup. Voilà, oh, il est l'heure de Maghrib. Maghrib à Amman, c'est à 18h55. Donc il est 43. Donc à Abidjan, il peut être 30, mais il est 43 ici à Amman. Donc et la DDR sera à Amman très 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 bientôt, Inch'Allah, pour une grande tournée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci beaucoup. La reine, elle peut venir, elle va présenter. Elle va vouloir. Je peux te présenter. Tu vas pas la peine. Viens te présenter. Parce que, comme je l'ai dit. Non, je vais finir le direct, Inch'Allah. Voilà, amis internautes, comme je le disais, voici Ren qui est là. Elle était chrétienne. Elle s'est convertie à l'islam. Il y a près de 2 ans de cela, son père et sa mère sont pasteurs, les gars. Papa, maman, pasteur. Donc, elle traverse des moments difficiles, c'est normal. Mais imagine un peu, papa te dit d'aller à l'église. Maman te dit d'aller à l'église. Et tu es là. Souvent, elle est contrainte d'aller à l'église. Dès qu'elle quitte là-bas, elle vient faire sa prière. Elle nous demande des droits, elle nous demande vraiment. À un moment donné, on l'a même mise au dehors. Donc, on s'est mobilisé un peu pour essayer de la soutenir. Elle a besoin de soutien. Elle est même enceinte déjà. Donc, voilà. On va prier qu'Allah facilite cette situation. On a vu que nous sommes à travers le monde. Elle est là, elle est à Mans. On l'a confié déjà à la communauté musulmane d'ici et également à la DDR de Mans. Et après ce direct-là, je vais avoir plus d'informations sur son cas actuel. Et puis, Inch'Allah, vous connaissez déjà nos numéros. Contactez-nous et puis bon, voilà ce que vous pouvez faire, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.